On se retrouve chez Michel au pied du Bibendum avec Alicia. Bonjour Gilles, et bonjour à toutes et à tous en ligne. Alors je rappelle donc Alicia Taillot est donc la directrice du marketing de Michelin Aviation, marketing et communication. Hier, on a parlé d'un produit nouveau qui était le nouveau pneu Michelin Pilot, voilà, hein, le haut de gamme pour l'aviation générale. Et là, aujourd'hui, on va parler au pilote de la manière de l'utiliser, en quelque sorte. On va présenter la nouvelle coupe. Alors, de quoi il s'agit ? C'est quoi cette coupe ? Alors, ce dont on va parler, Gilles, en réalité, c'est de l'état d'esprit de pionnier du groupe Michelin. En fait, en 1908 déjà, André Michelin avait lancé la première coupe, le premier challenge à destination des pilotes pour promouvoir la mobilité aérienne. Et donc, on s'est dit que ce serait très chouette de relancer cet état d'esprit avec une réédition en 2024 de la Michelin Cup Challenge. 1908, il n'y avait pas beaucoup d'avions et les avions ne restaient pas longtemps en l'air. Les avions électriques d'aujourd'hui qui arrivent à rester 40 minutes en vol, sont des longs courriers par rapport aux avions de l'époque. Mais en 1908, c'était déjà un challenge incroyable parce qu'il fallait relier Paris avec le Puy-de-Dôme en passant par la cathédrale de Clermont-Ferrand. Il fallait faire un tour autour de la cathédrale avant d'atterrir sur le Puy-de-Dôme. Et celui qui a gagné a réalisé ce challenge en moins de 6 heures. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Donc cette coupe fait écho donc au passé de Michelin, hein, et surtout de l'ancrage de Michelin dans l'aéronautique, parce que depuis 1908, Michelin n'est jamais sorti de l'aéronautique. Non, effectivement, et en fait, c'est ça qu'on avait envie de mettre à l'honneur, c'était le fait que Michelin et l'aviation, on le dit souvent, c'est une histoire d'amour qui dure depuis déjà plus de 100 ans, et donc ça nous semblait important de relancer ce challenge dans l'état d'esprit des débuts, finalement. Donc, ça consiste en quoi, ce challenge ? Alors, il s'appelle la Michelin Cup Challenge Revival 2024. Mais vous pouvez l'appeler la Michelin Cup, je pense que ça sera plus simple à retenir. Et alors elle s'adresse à qui ? Alors elle s'adresse à tous les pilotes en France qui ont envie de participer et de finalement relever un défi et de se challenger sur leur capacité de pilotage. Et quand tu dis à tous les pilotes, mais ça se fait où ? Ça va se faire à Clermont-Ferrand ou Alors je ne veux pas trop en dévoiler parce que cette Michelin Cup, on l'organise en partenariat avec l'AFFA et avec Cristal Aero. Et je propose que ce soit eux qui vous présentent le comment, que là, on a dépoussiéré complètement la façon de faire. Ah bah oui, c'est sûr qu'à l'époque, en 1908, c'était des cartes en papier. Aujourd'hui, c'est une application et c'est l'application de Cristal Aero.